Pour arriver à un état de détente, nous allons inspirer et expirer plusieurs fois tranquillement. Nous gardons la respiration quelques secondes, puis nous expirons doucement. Et une deuxième fois. Et nous expirons doucement. Nous allons nous adresser à notre mère intérieure, cette énergie spirituelle qui est appelée la Kundalini, en l'appelant mère. Plaçons maintenant l'attention tout en bas de la colonne vertébrale, au centre du bassin. Là réside notre premier centre énergétique. Ce centre nous donne les qualités de sagesse et d'équilibre. Il est relié à l'alimentaire. Nous allons demander, avec sincérité, avec notre cœur, « Mère, s'il vous plaît, donnez-moi la sagesse. » Puis nous allons élever l'attention au niveau du deuxième centre, du deuxième chakra, en plaçant la main droite quelques centimètres au-dessous du nombril. La main gauche reste bien ouverte sur la jambe. Ce chakra est relié à l'élément feu. Il purifie notre attention, nous permet de créer, il nous donne la connaissance subtile. Tout ce système énergétique à l'intérieur de nous. Nous allons demander, Mère, s'il vous plaît, donnez-moi la connaissance subtile. Puis nous élevons encore notre attention au niveau du troisième chakra et nous plaçons la main droite au-dessus du nombril, sous les côtes flottantes. Ce centre est relié à l'élément eau. Il nous donne la paix à l'intérieur, le sentiment de satisfaction, de bien-être. Nous allons demander à notre mère, Mère, s'il vous plaît, rendez-moi paisible. Puis nous plaçons la main droite au niveau du sternum, qui correspond au chakra du cœur. Ce centre est relié à l'élément air. Il établit le sentiment de sécurité et de confiance en nous-mêmes. Il établit nos défenses immunitaires. Et surtout, il nous donne la capacité d'aimer, sans attachement. À ce niveau-là, nous allons demander, Mère, s'il vous plaît, apprenez-moi à aimer.
Puis nous continuons notre ascension, nous plaçons la main droite à la base du cou, au niveau du cinquième centre. Ce chakra est relié à l'élément éther. Il nous permet bien sûr de communiquer avec respect envers autrui. Il nous permet surtout d'accéder à la qualité de témoin. Être témoin de soi, de sa vie, de tous les événements qui la composent. Mère, s'il vous plaît, rendez-moi témoin. Nous plaçons la main droite sur notre front, là où se trouve donc notre sixième chakra. Ce centre est relié à la lumière. Il s'ouvre lorsque nous sommes en paix, lorsque nous avons fait la paix avec nous-mêmes, la paix avec les autres, et que nous pouvons manifester notre humilité. Il nous permet d'accéder à un état de silence intérieur. Là, nous demandons, Mère, s'il vous plaît, établissez le silence dans ma tête. Plaçons le centre de notre paume droite sur la fontanelle, au sommet de la tête. Ce centre est le septième et il intègre toutes les qualités des chakras précédents. C'est là que peut s'établir le yoga, c'est-à-dire la connexion. Il nous relie à un élément qui est le plus subtil dans la création, ce sont les vibrations divines. L'énergie qui est à la base de tout être vivant, de toute la création. Il se manifeste sous la forme d'un souffle frais, très subtil. Là, nous demandons, Mère, s'il vous plaît, donnez-moi le yoga. Donnez-moi la connexion. Puis nous levons la main droite une dizaine de centimètres vers le haut. Et sans penser, nous observons ce que nous ressentons entre notre paume et la tête. Ce souffle subtil est le lien entre ce qu'il y a de spirituel en nous et l'énergie qui est à la base de toute la création. Là, nous demandons, Mère, s'il vous plaît, établissez mon yoga. Nous gardons bien l'attention où se trouve notre main droite et nous reposons notre main sur notre jambe.
en maintenant bien l'attention de cette manière au-dessus de la tête, nous pouvons rester profondément dans le silence et goûter à l'état de méditation.